Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Oui, je m'appelle Hugues Fabrice Zango. Quel est votre sport? Je fais du triple saut, c'est une discipline de l'athlétisme. Quand avez-vous commencé ce sport? J'ai commencé ce sport en 2011, j'avais alors 18 ans. Et j'ai commencé ce sport au Burkina Faso, à Ouagadougou plus précisément. Comment avez-vous découvert ce sport? Alors j'ai découvert ce sport un peu par hasard. C'était mon professeur d'éducation physique qui a voulu m'inscrire dans une compétition inter-collège de la ville de Ouagadougou. Et à cette occasion, j'ai participé à l'épreuve du sprint et du saut. J'ai été repéré et par un coach national qui a voulu que j'intègre son équipe. Et dès lors, j'ai commencé à m'entraîner et j'ai vu que ce sport, il me convenait parfaitement, du coup. Et j'ai essayé de progresser au fil des années. Et 10 années après, j'ai fait une médaille olympique. Et de vous organiser avec votre vie sociale, vos amis et votre famille? C'est extrêmement compliqué de pouvoir tout coordonner, hein, c'est sûr. Hein, parce que dans une journée, on n'a que 24 heures, malheureusement. Donc, avec le boulot déjà qui me prend 8 heures, il y a le sommeil qui me prend 8 heures, il y a mon entraînement qui me prend 3 ou 4 heures. Donc, il me reste 2 heures pour me préparer, pour rouler, pour machiner et pour appeler. Donc, souvent, ce que je fais avec les amis, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps pour aller prendre un verre tous les jours. Mais au moins une fois par mois, on peut se voir. Sinon, on peut s'appeler et je les appelle lorsque je suis en train de marcher ou lorsque je suis juste avant mon entraînement, juste 5 minutes. Mais je n'ai pas non plus le temps de pouvoir discuter pendant une heure avec mes amis. Sur les réseaux sociaux, c'est assez compliqué. Je passe en moyenne 4 minutes sur Instagram dans une journée. Je passe à peine 3 minutes aussi sur Facebook. En tout cas, quand on voit mon activité, je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'ai plutôt des community managers qui gèrent un peu les réseaux, qui répondent aux messages des différents fans et tout cela. Et c'est comme ça que je m'organise. Et de temps en temps, une fois par semaine, juste le dimanche, entre 16h et 19h, je suis réseaux sociaux. Et là, je réponds à tous les messages, moi-même, et ainsi de suite. Donc, c'est une organisation, mais c'est possible. Merci. Je t'en prie.